propos de la nouvelle loi qu'ils sont en train de mettre en place, hein, rouler à 80 sur les nationales au lieu de 90, bon, ça va nous ralentir, c'est chiant, plus de la moitié des Français sont contre, mais il paraît que ça va nous faire faire des économies. C'est top! Est-ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ne plus manger, ne plus boire, ne plus s'habiller, ne plus se divertir, ne plus prendre de douche, ne plus se laver les dents, ne plus tirer la chasse, ne plus aller chez le coiffeur, ne plus fêter Noël, ne plus faire d'enfants. Français, Français, faites des économies. N'existez plus. Ah, vous verrez, après, vous allez vous en mettre plein. Ben non, puisque vous n'existerez pas. Mais certains s'en mettront plein les... Mais par contre, achetez des bagnoles, hein. Continuez, hein. Même si vous n'existez plus, bah achetez des bagnoles. Ah non, mais attends, bah, si vous achetez plus de bagnoles, dernier modèle, des voitures bien puissantes, voyez, tout, au 100 km/h, des amortisseurs, machin, carburateur, des injections, ordinateur de bord, tout. Non, faites pas les cons, hein. Ah non. Attends, sinon ils vont marcher à pied, alors là on est dans la merde. Alors grâce à des schémas, hein, on nous explique que la vitesse idéale pour rouler sur les nationales, c'est entre 50 et 80 km/h. Ah non, je suis désolé, la vitesse idéale c'est 2, comme ça quand il y a deux bagnoles qui se rendent dedans, ça fait aïe, oh fais gaffe, merde, putain. Oh. Français, Français, faites des économies, n'existez plus.